Je me suis blessé au mois de février de cette année. Une blessure assez anodine et puis qui a pris du temps avec la période qu'on connaît pour le moment. Voilà, ça a pris un peu plus de temps, beaucoup de rechutes. Ça a été des moments difficiles parce que tout n'était pas parfaitement aligné pour que tout se passe de manière optimale, j'ai envie de dire. Et voilà, maintenant je me sens bien parce que je retouche du ballon. J'ai repris partiellement avec le groupe. Donc j'étais quand même à l'écart du groupe pendant presque 6 mois. C'est pas évident parce que moi je puise quand même ma force dans le collectif et dans ce qu'est le job de footballeur, c'est de vivre en groupe. Et voilà, c'était pas évident d'être à l'écart et de faire ma revalidation en salle. Et là maintenant, j'ai envie de dire que je reprends du plaisir parce que je côtoie mes coéquipiers, je les vois gagner, je les vois s'entraîner. Ça permet d'échanger aussi tous les matins un peu leur état d'esprit et leurs ambitions pour le week-end. Et ça, pour moi, c'est très motivant aussi de venir le matin et de me dire « Allez, je travaille, mais je participe aussi maintenant à l'esprit collectif. » Et ça, pour moi, c'est le plus important. Le début de saison, je trouve qu'il est positif. Le coach a mis ses idées en place. L'équipe commence à bien tourner. Je pense qu'il y a aussi les joueurs et le staff en général qui ont appris à se connaître et maintenant ça tourne bien. On enchaîne les victoires et je pense que c'est de bon augure pour la suite de la saison. Et ce que je vois aussi, c'est un très bon état d'esprit où les joueurs qui ne jouent pas poussent ceux qui jouent. Donc, ce qui amène une saine concurrence et permet à chaque joueur d'obtenir son meilleur niveau, donc c'est à ça qu'on est occupé pour le moment. Je trouve que c'est très très positif. Ce qui va venir maintenant, j'espère rapidement revenir avec le groupe, retrouver mes sensations, parce que voilà, après 10 mois d'absence, il faut du temps aussi pour revenir fit pour les entraînements et puis revenir fit pour les matchs. Donc il y a encore un gros boulot qui m'attend, mais bon, voilà. Pour ceux qui me connaissent savent bien que je ne vais pas lâcher et que je vais donner le maximum. En tout cas, le club, depuis le début de ma blessure, me pousse vraiment d'une manière extraordinaire pour que je revienne. Ils ne m'ont jamais laissé tomber. Et ça, c'est aussi une de mes grandes motivations, c'est de leur redonner ça et de participer comme je le peux pour les ambitions du club et les remercier.